Madame et Monsieur, bonjour et bienvenue sur Nuance Report. Nous sommes très heureux de vous revoir ce matin. Aujourd'hui, nous repartons pour une vidéo très intéressante qui va certainement vous aider à comprendre pourquoi nous crions beaucoup sur la chaîne pour réveiller l'esprit des gens sur ce qui se passe dans ce monde. Waouh, ce que vous allez voir va vraiment vous étonner. Alors, regardons d'abord sur la chaîne pour vous découvrir quelque chose. Venons, suivez-moi s'il vous plaît. Ok. Bienvenue sur Nuance Reborn. Ceci, c'est notre première chaîne, Nuance Reborn. Et Nuance Reborn 2 existe. Regardez, la Nuance Reborn 2, vous pouvez tout simplement cliquer ici pour avoir accès à notre deuxième chaîne YouTube où vous verrez des phénomènes paranormaux qui s'y trouvent. Mais ce que je peux vous montrer, c'est quelque chose d'intéressant. Nous vous avons raconté quelque chose sur une statue vivante. Venons écrivons par exemple statue ici. Ok, vous venez si vous écrivez statue et regardez, il y a la première vidéo qui est ici. Il a vu une statue se transformer en humain ou monstre. Ok, on y va. On parle également ici de statue vivante, ok, qui a tué un enfant dans cette vidéo. Ok. Et également ici, on nous parle encore d'une statue qui s'est transformée en un homme. Waouh, mes frères et sœurs, tous ces trois témoignages que nous avons racontés ici, ce sont des choses que nous avons parlé. Par exemple, regardez, ouvrons cette vidéo, vous allez voir. Nous avons parlé, tout et tout. Attendez, j'ouvre la vidéo. Témoin que vous serez en train d'adorer. On revient s'il vous plaît. C'est une vidéo que vous pouvez regarder, également regarder sur YouTube. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue sur Union Scribone. En dessous de cette vidéo, c'est tous abonnés. Cliquez là-dessus, abonnez-vous et activez également la cloche pour ne pas manquer nos prochaines vidéos. Nous devons adorer Dieu, sinon Dieu seul. N'adorez jamais un autre Dieu à part le vrai Dieu. Sinon, ce sera des démons que vous serez en train d'adorer. Ah, ça veut dire qu'il y a un seul Dieu. Ne vous trompez pas, ne vous laissez pas séduire. Il y a effectivement un seul Dieu. Et ce Dieu, c'est l'unique Dieu. Mes frères et sœurs, l'unique Dieu que je vous présente aujourd'hui, c'est le Seigneur Jésus-Christ et le Dieu le Père, celui qui a créé les cieux et la terre. Et tous ceux qui sont à côté de cela, tous ceux qui sont autres que cela, waouh, ils adorent le diable directement. Pourquoi? Parce que les dieux qui sont dans les statues sont des démons. Ok, c'est ce que nous avons dit dans cette vidéo. Parce que en fait, les dieux qui sont des statues, ce sont des démons. C'est-à-dire que ces démons peuvent faire quoi? Se transformer. Vous pouvez tout simplement regarder cette vidéo. Allons-y encore, revenons en arrière. Revenons un peu ici, jetez un coup d'œil ici pour voir ce qui a été dit. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue sur Nuance Reborn. Waouh! Le témoignage qui va suivre est un témoin très puissant. Une vidéo waouh, extraordinaire, où on nous dit des choses. Je suis sûr que vous avez vu dans le titre, je suis sûr que vous avez vu et que vous êtes curieux de voir ce qui va se passer. Alors, je vous dis bon visionnage à tous, bonne compréhension et surtout, lié le Seigneur Jésus-Christ à la fin, qui va répandre son esprit sur vous pour vous sauver. Bon visionnage à tous. Surtout, en dessous de cette vidéo, c'est tous abonnés. Cliquez là-dessus, abonnez-vous, activez la cloche pour ne pas manquer la prochaine vidéo qui va suivre celle-ci. Celle-là. À bientôt. Merci beaucoup. Ok, ici on nous montre comment s'abonner. Regardez. Na chefu yangu alikuwa anafanya kila mwezi ya 6 barikuwa anaendaka mu mape étranger kufanya conférence agricole. Alors mon chef après chaque 6 mois ils allaient dans des pays pour dans des pays étrangers pour faire des conférences agricoles. Chaque mois de juin. Chaque mois de juin. Baranza kuendaka mu conférence agricole. Ils allaient dans la conférence agricole. Kama tunatoka nje ya pays frais d'émission barikuwa analeta kwa mwezi $2000. Si nous allons en dehors du pays pour frais d'émission on donnait $2000. Il devait voyager samedi. Et la conférence était en Angola. Et la conférence était en Angola.
Anasema mitenda na garde du corps moya ule mimwa mitataye. Je vais y aller avec un seul garde du corps, celui-là que moi-même je vais citer. Mais na chitu kwa ba 4, tukunangara ni nani ule batataye. Non, on était à 4, on attendait qui est-ce qu'on va citer. Mina mufuata monsieur l'abbé. J'ai suivi l'abbé là-bas. Mina safanya le tu njinangu itoki le makuta tu te divisé par denta kupachia na we makuta. Fais un effort pour que mon nom soit choisi. Je vais te donner l'argent qu'on va me donner. Il m'a répondu ainsi. Et c'est dans ce cas-là, dans cette situation, qu'il va, pour avoir la force et la puissance pour pouvoir aller là-bas, il sera amené à faire quoi? Avoir accès à de la magie, une magie qui parle, une sorcellerie qui parle, et ça sera une statue, ok? Une statue vivante. Je vous laisse regarder ce témoignage. Maintenant, même ici, dans cette vidéo encore, regardez encore. C'est juste pour vous dire que ce que nous sommes en train de faire, c'est pas le temps. Madame et monsieur, bonjour, bienvenue sur Nyon Srebana. Waouh! À passer. Le don qu'il a eu à peine qu'on le délivre, donc, il commençait déjà à avoir des visions. Voilà. Donc, il va raconter beaucoup de choses et il va parler de ça. De cette statue qui se transforme en homme au cours de cette vidéo que je vous invite aussi à voir. Maintenant, voilà, voici la preuve que ce que nous disons, ce n'est pas faux et que les statues ou encore les poupées, toutes ces choses peuvent être habitées par qui? Des démons. Ce que vous allez voir va sans doute vous effrayer, mais mes frères et sœurs, je vous en prie, n'ayez pas peur, n'ayez pas peur, n'ayez pas peur. Alors, préparez-vous. Qu'est-ce que vous voyez à l'écran? On voit une fille, une femme ou une jeune fille qui tient quoi? Une grande poupée dans sa main. Mais le problème ici, c'est que, regardez. Bueno, aquí les presentamos a la muñeca de Betty que se la regalaron sus 15 años. No manches, mira. Est-ce que vous avez vu ce qui s'est passé? Non, peut-être pas. Regardez. Bueno, aquí les presentamos a la muñeca de Betty que se la regalaron sus 15 años. No manches, mira. Est-ce que vous avez vu? Bon, alors tout doucement, peut-être là vous allez voir. Regardez bien. Sa camarade, sa soeur est en train de la filmer, peut-être qu'elle est en train de raconter beaucoup de choses. Mais regardez ce qui va se passer. Bueno, aquí les presentamos a la muñeca de Betty que se la regalaron sus 15 años. Cette poupée-là. La tête de cette poupée a carrément tourné et s'est mise à la regarder comme si cette poupée vivait, où elle était hantée, où il y avait un démon en elle, où il y avait quelque chose en elle, comme si c'était un bébé que vous... Oh, mes frères et sœurs, c'est grave. Regardez. Regardez. Et là, elle va avoir peur. Pourquoi? Parce que cette poupée n'est pas censée bouger. Cette poupée n'est pas censée bouger. Elle a tout de suite jeté la poupée immédiatement. Est-ce que vous comprenez? Est-ce que vous voyez un peu de quoi il s'agit? Est-ce que vous voyez un peu de quoi il s'agit? Quand nous faisons les témoignages et que nous vous racontons beaucoup de choses qui paraissent étranges sur la chaîne, il y a certaines personnes qui disent que non, c'est du mensonge ou c'est de la blague. Mais quand vous regardez cette vidéo qui se trouve devant vous là, quelle est votre réaction maintenant? Comment vous réagissez? Quand on vous a raconté, pourquoi vous avez monté cette vidéo précédemment? Regardez, cette vidéo où on a dit, il avait une statue se transformer en humain. Ce sont des choses qui sont bien réelles. Regardez cette vidéo. Tout ce que nous vous racontons sur la chaîne, même aujourd'hui, il y a un témoignage. Cette femme a sacrifié sa mère pour être riche. C'est un témoignage qui est vivant, qui se trouve même. Ok, si vous voulez, on va monter en direct ou elle est en train de parler, ça dépendra de vous. Mais toutes ces choses que nous vous montrons, le diable t'observe pour te combattre. En fait, le diable également t'observe. Le plaisir de la chair, ennemi de ta vie, son tatouage, même. Laissez-moi vous le montrer. Même cette vidéo-là, regardez. Je ne vais pas le raconter. Cette vidéo qui fait actuellement le buzz, elle a vu Michael Jackson à l'enfer. Et le Seigneur me dit que tu as
Seigneur m'a dit, tu dois le raconter. Ce sont des choses que nous vous racontons. Il y a plein de personnes encore qui doutent. C'est pourquoi nous avons fait cette vidéo-là, pour vous montrer en clair, progressivement, que tout ce que nous sommes en train de vous raconter et tout ce que vous entendez sur le mystère de la mort, par exemple ici, cette vidéo, le mystère de la mort, index sataniste, parce que je n'en sais pas, ou encore la sirène en guerre contre les chrétiens, toutes ces histoires, regardez les vidéos populaires, même j'ai vu des démons transformés, des revenants en voitures de luxe, toutes ces choses, ce n'est pas de la blague. Même la sorcellerie noire et les trois types de sorciers. Regardez tout ça pour parvenir à la connaissance de la vérité. Parce que ces choses sont bien réelles. Il ne faudrait pas que vous soyez surpris comme cette femme-là. Et vous allez jeter au dernier moment tout ça, puisque vous serez surpris. Regardez. Bueno, aquí les presentamos a la muñeca de Betty que se la regalaron sus 15 años. No manches, mira. Voilà. Vous avez vu comment elle était effrayée? C'est pour ne pas que vous soyez effrayée que nous faisons toutes ces vidéos pour vous prévenir qu'il y a quelque chose qui se passe dans ce monde et que nous devons tous être réveillés. Tout le monde doit bien réveiller. Il y a quelque chose de grave. C'est vraiment grave. Ce qui se passe est grave. Il faut que quelqu'un vous réveille. Réveille sur toutes ces choses. Sinon, ce ne sera pas bien. Ce ne sera pas bien. Il faut que quelqu'un vous réveille sur toutes ces choses. C'est pourquoi le Seigneur a permis que Nyans Reborn soit là, pour vous révéler tout ce que vous ne savez pas, afin que vous soyez sauvés. Tout notre intérêt, c'est que vous soyez sauvés. Une poupée n'est pas censée bouger, mais quand une poupée se met à faire des mouvements comme nous venons de le voir, c'est qu'il y a un problème. C'est que ce sont des démons. C'est que ce sont des démons. Et comme vous le voyez ici, cette femme que vous trouvez là, elle ne se doute de rien. Elle ne sait pas que cette poupée qui est ici a des problèmes. Et que ce n'est pas une poupée, c'est un démon qui est là. Un démon qui hante des poupées. C'est-à-dire que tous ces éléments que nous voyons, que les gens fabriquent, en fait, ce sont des trucs qui mettent en contact les démons aux hommes. Voici des trucs qui lient les hommes aux démons. Et beaucoup de personnes ne savent pas ça. C'est pourquoi Nyans Reborn est là ce soir, pour vous rappeler que ces choses sont bien réelles, ça existe. Ce n'est même pas de la blague. Ce n'est même pas de la blague. Regardez ici, regardez vous-même. Ce n'est pas la seule vidéo, hein. Ce n'est pas la seule vidéo. Regardez cette vidéo qui est ici. Une jeune fille qui est en train de jouer tout simplement avec sa poupée, et l'autre poupée qu'elle a va se mettre à bouger. C'est pourquoi ils l'ont entourée. Vous pouvez regarder cette vidéo aussi. Regardez là, c'est grave. Ça veut dire que cette histoire de Chiki la poupée, ce film qu'on appelle Chiki la poupée, et ce qu'ils nous ont montré sur la poupée qui bouge, c'est également réel. C'est pas un mensonge. Cette vidéo même se trouve ici, regardez là. Wow. Regardez ça, c'est Chiki la poupée. Et toutes ces choses sont bien réelles. Les statues que les gens adorent, toutes ces choses qui ne plaisent pas à Dieu, que les gens adorent, ne sont pas faites pour nous arranger, c'est fait pour nous détruire, ou encore, nous faire peur. Regardez. Bueno, aquí les presentamos a la muñeca de Betty que se la regalaron sus 15 años. No manches, mira. Bueno, aquí les presentamos a la muñeca de Betty que se la regalaron sus 15 años. No manches, mira. Bueno, aquí les presentamos a la muñeca de Betty que se la regalaron sus 15 años. Ok. Dites-moi ce que vous en pensez dans la partie commentaire. Mais n'oubliez surtout pas que vous pouvez également vous abonner en dessous de cette vidéo en cliquant sur s'abonner et activer la cloche. Quand on dit activer la cloche, c'est tout simplement, laissez-moi vous montrer ici, voici. La cloche, vous abonnez ici et vous activez la cloche là comme ça, pour ne pas tout simplement manquer nos prochaines vidéos. Ça veut dire que dès qu'une vidéo apparaîtra, vous verrez qu'ici, la vidéo va apparaître. Vous pouvez tout simplement cliquer sur cette vidéo afin de pouvoir la regarder directement et être au parfum de tout ce que nous avons fait. Regardez déjà les vidéos qui sont disponibles, des vidéos que vous pouvez regarder en détail qui vont certainement vous intéresser. L'une des vidéos qui m'a vraiment touché aujourd'hui, c'est la dernière vidéo que vous voyez là. Cette femme a sacrifié sa mère pour être riche.
Mes frères et sœurs, c'est grave tout ce que nous sommes en train de vous raconter. Que Dieu vous veille sur nous. Regardez même ici. Le prix du pacte avec le diable est ici. C'est une vidéo encore qui va nous dire clairement ce qui se passe dans ce monde. Les pactes qui sont signés et ce que ça donne au final. Que sert-il un homme de gagner le monde s'il perd son âme? C'est un pacte qui ne te conduira jamais vers la vie, vers la joie, c'est tout simplement vers la mort. Vous pouvez également regarder cette vidéo populaire qui est en ce moment en train de faire beaucoup de vues. Je vais te sortir. Les gens se réveillent, ils voient tout. Elle a seulement 11 ans et elle a vu Michael Jackson à l'enfer. Et nous avons réagi dans cette vidéo, c'est pourquoi vous me voyez ici. À chaque fois, je vais réagir pour vous donner des conseils ou des précisions sur ce qu'elle dit. Parce que ces choses méritent d'être étudiées. Regardez par exemple ici, dans la partie commentaire, il y a plus de 379 commentaires, mes frères et sœurs. 379 commentaires. Regardez le premier. Oh Seigneur, pardonne nos péchés. Les gens se réveillent. Et il y a combien de likes? 12 likes. Vous pouvez liker. Vous pouvez également liker cette vidéo. Si ce n'est pas encore fait, regardez. Que le Seigneur protège tout le monde. Tout le monde réagit. Cette vidéo est vraiment, vraiment terrifiante. Et tout le monde réagit. Même les musulmans réagissent. Regardez. Ça réagit. Tout le monde est impressionné, est dépassé. J'ai été le premier même à être touché par ce témoignage. Regardez ici. Regardez au début de cette vidéo ce que j'ai dit. Regardez bien. On a dit, plaît, s'il vous plaît. Regardons ensemble. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à Nyant Reborn. Aujourd'hui, nous repartons encore pour une vidéo très intéressante, franchement, qui m'a touché. Une vidéo très intéressante qui m'a touché. C'est grave, les amis. Pardon encore pour une vidéo très intéressante, franchement, qui m'a touché. Un enfant. Oh, se retrouver en enfer. Waouh, qu'est-ce qu'elle a vu? Regardons tout simplement, écoutons tout simplement les témoignages, regardez également. Et nous proposons beaucoup de choses. Alors, c'est parti. Mi nombre es Nayeli Gómez Utus. Mon nom est Nayeli Gómez Utus. J'ai 11 ans. Hermanos, hermanos. Mes frères, mes sœurs. Familias en Cristo. Famille en Christ. Personas de todo el mundo. Les personnes du monde entier. Reciban mis cordiales saludos. Recevez mes salutations Quiero distinguées. Decirles, hermanos, je veux vous dire, mes frères, qu'avant, à l'enfant que je suis, j'aimais mettre des boucles d'oreilles. Je suppliais même, je pleurais à mes parents afin qu'ils me l'achètent. Avec mon argent de poche, je l'achetais. J'aimais mettre des vernis. J'aimais mettre les parfums de mes parents et de mes tantes. J'aimais beaucoup me couper les cheveux et même sans l'autorisation de mes parents. J'aimais beaucoup regarder mes Barbies. Je regardais toutes sortes de dessins animés. Je regardais les telenovelas et même les combats. Et des fois, pour voir ces choses, je n'allais pas à l'église. Toutes ces personnes qui pratiquent ces choses du monde, cela ne plaît pas à Dieu. Parce que les gens qui ont pratiqué, les parents qui ont regardé le sport, et les mamans qui ont regardé les telenovelas, les jeunes qui vont en boîte, les enfants qui regardent leurs dessins animés et qui sont morts aujourd'hui, ils sont en enfer. J'étais témoin de cela. Et elle était témoin de cela. Et tout au long de cette vidéo, elle va nous raconter tout ce qu'elle a vu à l'enfer et en particulier cette histoire sur Michael Jackson à l'enfer.
mes frères et sœurs, je vous incite également à regarder cette vidéo qui vous fera certainement du bien. Regardez, en voyant déjà cette vidéo-là. Bueno, aquí les presentamos a la muñeca de Betty que se la regalaron sus 15 años. Ay, no manches, mira. Bueno, aquí les presentamos a la muñeca de Betty que se la regalaron sus 15 años. Ay, no manches, mira. Déjà en regardant cette vidéo, nous pouvons comprendre que tout ce que cette fille va raconter par la suite est vrai. Je vous assure, je vous assure, je vous assure, je vous l'assure. Wow, mes frères et sœurs. Qui ont mirado sus novelas, les mamans qui ont regardé les telenovelas, qui ont ido à la discothèque, les jeunes. N'oubliez surtout pas, qu'en dessous de cette vidéo, vous pouvez vous abonner, activer la cloche, ne pas manquer nos prochaines vidéos. Je vous laisse donc regarder cette vidéo tout tranquillement. Prenez votre temps, regardez. Si il y a quelque chose que vous ne comprenez pas, faites un peu de recherche, vous allez trouver. Car le Seigneur Jésus-Christ se laisse trouver par ceux qui le recherchent. Abonne-toi sur cette vidéo, abonne-toi, active la cloche juste à côté pour ne pas manquer tout simplement nos prochaines vidéos. Et bien sûr, moi, je vous dis que Jésus vous garde et vous bénisse. À demain. Dans ce report.